aujourd'hui à Paris, je crois qu'on n'a pas connu de canicule comme ça depuis 2003. Il va faire jusqu'à 36 degrés demain, ce qui est quand même pas trop commun pour un mois de juin. En fait, il fait tellement chaud qu'on sait pas comment s'habiller, parce que même en trottinette, on a le vent, etc. Donc ça rafraîchit. Mais une fois qu'on prend les transports en commun ou ce genre de choses, il fait beaucoup trop chaud. Donc moi, j'ai gardé la veste quand même, par sécurité, au cas où je tombe ou quoi que ce soit. J'ai les gants, etc. Mais il fait trop chaud. Avec le casque, il fait trop chaud. Complètement dans l'ombre, mais ça devrait s'arranger. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pas mal de polémiques en ce moment sur les trottinettes électriques et tout ce qui est les NVIE, donc les nouveaux véhicules électriques individuels électriques. Je crois que ça se dit dans ce sens-là. Donc il y a une loi qui a été votée il y a quelques semaines par le Sénat et l'Assemblée nationale qui va donner un cadre à tout ça, puisque aujourd'hui les trottinettes électriques ont le droit de circuler nulle part. Cette loi, elle s'appelle la loi d'orientation des mobilités, et ça fait pas mal de temps que les gens l'attendent, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'accidents en France, notamment à Paris, et c'est surtout à cause des nombreuses trottinettes électriques en libre service, puisqu'il y en a plus de 20 000 ici à Paris, et ça crée un peu de bazar, les gens les garent un peu n'importe où, les gens roulent un peu n'importe où. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de loi claire et précise sur où ont le droit de rouler ces engins, donc c'est ce qui va arriver en septembre à la rentrée. Je vais essayer de me mettre un peu au soleil. D'ailleurs, ne comptez pas sur moi pour enlever mon casque, parce que vu la chaleur qu'il fait, je pense que j'ai les cheveux tout plaqués au front, c'est pas beau à voir. Hop là! Bon, ok, j'enlève mon casque. Alors en gros, que va dire cette loi? Bah déjà, elle n'arrive pas avant septembre, comme je vous ai dit, donc à la fin de l'année. Et il y a déjà des mairies qui ont pris des mesures, comme la mairie de Paris et la mairie d'Annecy, qui ont interdit aux trottinettes et à tous les véhicules électriques de rouler sur les trottoirs pour éviter les accidents. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déjà annoncé qu'elle allait obliger tous les opérateurs de trottinettes électriques à brider leurs trottinettes à 20 km/h contre 25 km/h aujourd'hui. Il y a même certaines villes qui ont décidé d'interdire complètement les trottinettes électriques dans leurs rues, comme Nashville aux États-Unis, où ils ont fait un test, ils ont vu que ça marchait pas, il y a eu un accident, ils ont complètement abandonné. C'est quand même assez marrant qu'il y ait un skate électrique et un gyro-roue qui passent pile au moment où j'aborde ce sujet. Il fait tellement chaud. J'essaye de trouver des points différents pour pouvoir m'arrêter, pour pouvoir vous parler. Des points où je suis un peu tranquille. Ici, c'est super sympa. Il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui fait chaud, bordel? C'est pas possible. Que dit ce projet de loi? Bah déjà, la première mesure phare de ce projet, c'est évidemment qu'on va plus pouvoir rouler sur les trottoirs tous les NVIE. En même temps, ça c'est logique, étant donné que la vitesse sur les trottoirs, elle est limitée à 6 km/h, c'est-à-dire la vitesse d'un piéton qui marche. On n'est pas censé rouler sur les trottoirs, bien évidemment. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir le droit de rouler sur les pistes cyclables. Ça va même être une obligation, puisque s'il n'y a pas de piste cyclable, on peut rouler sur la route, mais sinon c'est obligatoirement la piste cyclable. Je suis tellement stressé quand il y a des gens qui passent comme ça et qui me regardent et qui se demandent ce que je fais. La troisième mesure, c'est que le port d'un casque audio ou d'écouteurs va être interdit. Et pour les autres, je les ai oubliés, donc je vais vous les lire. Avoir au moins 8 ans et porter un casque 6 moins de 12 ans. Impossible de rouler si la vitesse max du véhicule dépasse les 25 km/h. Donc c'est pas le cas de ma trottinette puisqu'elle est bridée à 25 km/h. Et enfin, la dernière mesure, c'est que les feux avant, arrière, les freins et l'avertisseur sonore vont être obligatoires sur tous les véhicules. Alors personnellement, ce que je retiens particulièrement, c'est le port du casque qui n'est pas obligatoire quand on a plus de 12 ans. Malgré ça, je vous conseille fortement de mettre un casque. C'est hyper dangereux de rouler là-dessus sans mettre de casque, et je l'ai fait pendant une période, j'ai beaucoup regretté. On ne m'entend plus. J'ai pas choisi le meilleur endroit pour filmer, mais maintenant que je suis là, je vais terminer. Dernier truc que je retiens, c'est de pouvoir circuler sur les routes quand il n'y a pas de piste cyclable. Ça, c'est alléluia, parce qu'aujourd'hui, moi je le fais personnellement, mais logiquement on n'a pas le droit de le faire, on n'est pas comme des deux roues.
Donc on n'a pas d'immatriculation, voilà, on n'a pas le droit de rouler sur les routes. Alors en plus de ça, sachez que la loi prévoit aux entreprises de pouvoir verser jusqu'à 400 euros d'indemnité pour tous les employés qui se rendraient au travail en NVIE, en skate électrique, en trottinette électrique ou qui feraient du covoiturage. Donc ça c'est super cool et ça peut s'ajouter au Pass Navigo. Personnellement je trouve ça très très cool, ça va enfin donner un cadre à tout ça, surtout qu'on n'est pas très très apprécié sur la route. Pourtant c'est un moyen de transport qui est hyper pratique, économique et écologique. Donc je vois pas trop d'inconvénients au fait d'employer des trottinettes électriques ou des skates électriques. Et en plus de ça, on participe pas au trafic parisien qui est déjà bien rempli. Donc j'espère que ça va apaiser un peu tout ça et que ça va vraiment permettre de sanctionner les gens qui sont imprudents et qui pour le coup font vraiment n'importe quoi, qui s'en servent n'importe comment et qui conduisent n'importe où. Donc c'est bien. Terminer mon trajet jusqu'à chez moi. Je pense que c'est la fin du vlog. Abonnez-vous, mettez un pouce et je vous dis à la prochaine. Salut. Vraiment loin de la caméra, vraiment loin.